Salut, donc on va vérifier si tout marche bien. Ça n'a pas l'air de marcher, si, ça a l'air de marcher de côté YouTube. Donc le truc traditionnel relou du début, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? M'entendez, mais est-ce que vous me voyez? On te voit, ok. J'ai choisi un paramètre de low latency sur YouTube qui est censé réduire le délai entre le moment où les choses se passent en temps réel chez moi et le temps et le moment où vous le voyez sur votre stream. Ce qui permettra d'avoir une meilleure interactivité. Voilà, hop, on va passer sur le chat. Voilà, pour sur Twitch, par contre, je sais pas, je vais regarder sur mon dashboard. Ça a l'air d'être online aussi, avec 17 viewers. On va attendre que les gens commencent à arriver. Voilà, j'ai mis mon overlay, Johanna. Alors du coup, comme il y a très peu de monde sur YouTube, j'espère que j'ai donné le bon lien. Normalement, oui. On va. C'est ici. Lien est ok, ouais. Mais disons qu'hier il y avait plus de monde et aujourd'hui c'est plus de monde sur Twitch. Pour l'instant. Alors les amis, vous avez voté pour les power-up. Donc on va bosser sur les power-up, mais pour ça, il va falloir que je gère d'abord les collisions, les explosions. Sinon, ben, ça servira à rien de mettre des power-up si je ne peux pas les ramasser. Il faut que je gère un système de collision. Voilà, donc du coup, hop, normalement, vous voyez toujours les votes qui s'affichent en bas à droite. Et j'étais en train d'y bosser dessus avant de démarrer le live. Donc du coup, tout simplement, j'ai commencé à gérer un deuxième type de particules. Pour l'instant, que j'ai pas encore géré. Il va falloir que je dessine un carré, par exemple. Je vais faire des fausses particules en pixels. On va faire donc un fil rect. En blanc, voilà. Je sais pas moi de 4 par 4. Et puis on va voir si on arrive à faire des explosions avec ça. J'ai une fonction de distance sur ma scène de jeu. J'ai mes bullets. Par contre, il faut que je dans mon Wave Manager, il faut que je puisse renvoyer la liste des aliens en cours. Donc on va faire get aliens if 10.currentWave.
Ce que je vais faire, c'est que mes aliens, je vais leur donner une position X et Y. Que je vais synchroniser avec le sprite. Voilà, du coup ici je peux récupérer. Là, je peux faire le parcours. Donc on va, là c'est les aliens, on va faire A. Parcours inversé, tout ça vous pouvez l'avoir dans mes cours. Et là on va faire et là on va tester la collision. On va vérifier si ça plante pas déjà. Ah, c'est bon. Si j'ai des undefined, c'est qui ça? C'est quoi cette trace? C'est quoi cette trace moisie? Ah, où je gardais ça moi? Je le vire. Donc on est bon. Déjà bonjour à tous. Moi je me lance direct dans le code. C'est parce que en fait j'ai commencé à coder avant que je me connecte en live. Et du coup je suis concentré dans mon truc. Et c'est pas très poli. Je voulais dire bonjour à Fabrice, à Ton, Tony, Olivier, à Ménerve, Manu, TC. Bonjour à tous. Merci de m'avoir rejoint. Eluen, Furiami. Franck, BD, Poulpiche, Animapix, Gris, Xav, des Olivier, il y en a plusieurs. Donc bonjour à tous. C'est un code dont vous êtes le héros. Deuxième épisode, on code un shooter horizontal. Hier, on a travaillé sur le scrolling parallaxe de l'effet d'océan. On est très content. On a notre vaisseau qui est capable de tirer et de faire planter mon code, ce qui est très bien. Du coup, oui, si je mets pas de, si je déclare pas la variable, voilà. Là, on va mettre un let. Je sais pas pourquoi j'ai mis un var. Hop. Donc du coup, voilà, on est capable de tirer. On va remontrer ça. Normalement, on devrait être retombé sur nos pattes. Pourquoi ça s'ouvre à droite? C'est très chiant. Voilà, avec une cadence de tir. Et donc du coup, voilà, on va essayer de rétablir les vagues d'ennemis que j'ai désactivées. Et on va essayer de gérer les collisions pour pouvoir répondre à votre dernière demande. Je vous rappelle que je vous fais voter. Donc là, on est sur les power-up et ensuite on fera un vote parmi les choix supplémentaires. Et puis éventuellement d'autres votes si jamais j'ai des choix à faire. En tout cas, à travers également les commentaires que vous me laissez sur YouTube et Twitch. Je vous rappelle que je lis les deux. Type de commentaire grâce à Restream. J'ai l'impression que j'ai un délai plus court. Donc par exemple, je vais vous dire, je vais dire, sur le chat, je vais dire test de délai et je vais l'envoyer et vous me dites si vous avez reçu ça bien avant que je le dise ou après. Salut Peter. Salut manga, Mangaël. Donc le délai devrait être bien meilleur. Ah, sur YouTube, les délais sont énormes, mais pourtant j'ai alors reçu à l'instant, reçu. Le premier qui me l'a dit, c'est 12, 13, c'était 10 secondes après.
Non, ouais, 15 secondes après, c'est un peu mieux que qu'hier où c'était 45, je crois. Donc ça a l'air mieux. Donc voilà, c'est un code dont vous êtes le héros, vous faites des votes. En tout cas, moi je code devant vous. Je vous rappelle que ce que je code, vous pouvez apprendre à faire en partant du début, même si vous êtes débutant, en suivant mon bootcamp programmation de jeux web avec JavaScript et HTML5. Qui, pour fêter ça, en fait, le live de cette semaine, c'est pour fêter l'ouverture des inscriptions à cette formation auquel vous pouvez accéder. Je vous mets le lien dans le chat pour 59 € au lieu de 149 €. Donc je fais ma petite pub là pour commencer. Et ça se termine en 3 jours. Donc vous êtes déjà plusieurs à avoir sauté sur l'occasion. Vous avez accès dans cette formation à un paquet de vidéos puisque vous allez apprendre de A à Z à installer votre environnement de développement, à apprendre à coder en JavaScript, à apprendre la programmation graphique avec HTML5, à créer un système de sprite, d'animation, de chargement d'image pour contrer le problème de la synchronicité du web. Donc vous allez apprendre à faire ça avec un image loader comme un pro et à créer une cinématique. Grâce à ça, vous allez apprendre à faire une cinématique façon R-Type. Vous avez le code source de chacune des étapes, bien sûr. Vous allez avoir tous les concepts pour créer un jeu d'arcade, c'est-à-dire scrolling, vague d'ennemis, explosion particules, tir et projectiles, et les collisions qui arrivent cette semaine et qui vont venir compléter et terminer. Et ce que vous voyez cette semaine, ben c'est la consécration de toute cette formation, le condensé de toute cette formation à travers ben, un shooter qui s'appuie sur ce framework qu'on a codé ensemble. Je vois que vous êtes déjà en train de prendre la formation. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui achètent les formations que je produis. En tout cas, voilà, merci à tous. Donc on y va, on avance sur ces collisions. Donc maintenant qu'on a nos aliens et qu'on a nos missiles, on peut parcourir les deux et tester s'il y a une collision. Donc on va faire if distance. Alors on y va. Donc le bullet.x virgule bullet.y virgule. Alien.x virgule alien.y. Alors on va faire un système de distance, on va pas s'emmerder, on va faire un truc très simple pour l'instant. Donc on va faire, je sais pas combien font mes belettes, elles font pas grand-chose. Hein. Elles font 14 de haut. Donc on va faire. Et je crois qu'elles font un peu plus de large, mais on va faire 14. De toute façon, on va pas s'emmerder. On pourra faire des bounding box plus tard. En 6 inférieur à 14, on va créer une explosion. New explosion égale new particule émetteur. Il veut une position. On va pour l'instant la faire au niveau de mon projectile. Donc c'est-à-dire b.x, b.y. On va faire ça. J'ai dit que ça faisait combien? 14 de large. Donc à 7 et allez, 5. On va essayer de centrer ça pour l'instant. Donc on va dire que c'est du pixel. Du coup, j'avais pas terminé de d'avancer sur. On va rajouter un type ici. Voilà. Et ensuite, on va faire for. Combien on va en faire? For. On va faire une vingtaine. Vingtaine de pixels. New explosion.
Ah mais j'avais le type, non, bah, non c'est juste add. Le type on le passe pas. Donc on a déjà les explosions. Et ensuite bien sûr il faut supprimer. Donc il faut faire 10.lstablets.splice. Donc index 1. C'est une moche ça index, on va l'appeler. Non mais bah, c'est bon, on va laisser comme ça parce que je m'emmerde sinon 10. Et après on va faire. On va supprimer l'alien aussi à la position A, un seul élément. On va voir si ça marche aussi, on explose en vol. Déjà, on n'a plus notre vaisseau. Ah si, il est là. Nos tirs fonctionnent. On va remettre nos aliens. Je les ai pas remis. Ah bah si, les vagues, elles sont là. Tac tac, Wave Manager, update. Ah bah j'ai un problème avec mon Wave Manager puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Est-ce que j'ai oublié de le dessiner? Non, elles sont dessinées. Donc mes ennemis n'apparaissent plus. J'aime bien ce que j'avais vu depuis hier. Il va falloir aller tracer ça. Voilà. J'ai bien des vagues. J'aurais dû rentrer dedans. On va continuer. Et on va rentrer à l'intérieur. Donc du coup. Ah, c'est la distance que je lui passe et je passe pas de distance en fait. Ça peut pas marcher. C'est ici que ça merde. Ah oui, c'est parce que j'ai viré le scrolling. J'ai viré le scrolling, on a tout réécrit. Donc la distance qu'il me faut, c'est la distance parcourue par. Je sais pas lequel en fait, puisque j'ai plus de fond. J'ai viré le fond en fait. Donc du coup, je vais prendre la distance du. Lequel je vais prendre? Est-ce que je prends la distance du plus lent? Ouais. Normalement, c'est celui-là le scroll en fait. C'est le dernier. Donc c'est le background crochet de. On sait rien. C'est le 5. Voilà. Pim. Alors, mon sali supprime. Par contre, j'ai pas de particules. Et ma deuxième vague. Il y en a une normalement. Vague démarrée, j'ai qu'une vague. Je sais pas si je l'ai, si je l'ai, j'en ai mis qu'une ou quoi. Bon, moi j'en ai une qui m'a. Ah non, elle est là, elle arrive la deuxième, elle arrive juste trop tard. Ok. Donc on est bon, sauf que ça ne crée pas de particules. Donc on va revoir ça. Donc on crée un particule émetteur, machin, bidule. On ajoute des particules dedans. Au format pixel, alors peut-être que c'est mon format pixel qui est pas bon. Je vais mettre le truc normal et on va voir si j'ai des particules avec le. Ah, ça m'énerve. Non, donc c'est bien, c'est pas le format. Le type, tac tac. Je les push, je les draw, et quand je les draw, ça marchait avant donc il n'y a pas de raison. C'est peut-être que j'ai oublié de les updater tout simplement. Je les update ici. C'est peut-être mon empty qui marche pas, ça je vais le rajouter tout à l'heure.
j'essaie de savoir ce qui se passe, je vais le tracer parce que chercher à l'aveugle. Mais il était déjà lancé. Je vais essayer d'arrêter d'en lancer 50 000. J'en ai encore un ici. Voilà. Source. Particule émetteur. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Pourquoi je suis arrêté là? Ah oui, parce que j'ai l'histoire des waves. Voilà. Ah, ça draw rien. Ok, donc au moins c'est clair. Ça veut dire que j'en ai pas. J'ai l'update qui se lance pas en fait. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est une erreur que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment relou. C'est que je crée une explosion, mais je la pousse pas du tout dans la liste, quoi. Doit être mieux. C'est une erreur que je fais tout le temps. Je fais la new de la truc et puis j'oublie de l'ajouter. Pam! Au moins ça plante. DT is not defined. J'ai dû oublier de. Où est ma pile? Pile d'appel, ah, j'ai pas. Donc ça c'est normal. Enfin c'est normal. Au moins ça je peux l'avancer. C'est où que j'ai mon DT defined? C'est dans le draw. Pourquoi je passe un. Parce que j'ai fait un copier-coller. Les copier-coller, ça devrait être interdit. Je fais un copier-coller de l'update. Allez, on veut voir une jolie petite explosion. Pim! Ah bah j'ai mis un point d'arrêt. Tac. J'ai mis un autre point d'arrêt ici. Pam. J'ai mis un autre point d'arrêt ici. On recommence. Dans les points d'arrêt. J'ai déjà vu les petits carrés apparaître, donc ça a l'air bien. Pim. 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 Bim, voilà. Donc je vous rappelle que l'émetteur de particules, système de particules, c'est tout un atelier dans la formation, dans le bootcamp JavaScript HTML5 où je vous explique vraiment tout, comment vous créez votre propre système de particules. On n'utilise pas un système de particules. SFXR. On va se faire un petit son d'explosion. Alors j'en aimerais bien un peu long. Un peu grave, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on a après? Slide. Voilà. Plus d'attaque, tu dis? Ah. On peut pas la changer l'attaque, on peut changer le délai d'attaque. Bon, l'idée c'est que. Donc là on est à 0,13.
Ah, c'est pas mal ça. Allez, on va garder ça. Enregistrer le lien sous. Clac. C'est un point wave. Donc du coup, on va retrouver. On va retourner dans Git. Un jeu dont vous êtes le héros 2. Live Sound Explosion. Enregistré. Et du coup, ça va être ici. On a déjà sûrement un son quelque part. Le son du shoot. Voilà. Et donc, on va recopier ça. On va l'appeler SND Explosion. Ici, c'est explosion.wave. Voilà. Et ensuite, au moment de l'explosion, donc. Play. Qu'est-ce que ça donne? C'est cool. Mettre des sons, ça change tout, hein. Ou les cocos là. Faudrait que je ralentisse la fréquence de tir. Parce que là, c'est un peu facile du coup. On bossera peut-être sur les patterns d'ici la fin de la semaine. Donc du coup, en attendant, bah, ça tourne. Et ce qu'on va gérer maintenant, c'est les power-up. Alors pour gérer les power-up, il va falloir que je sois capable. Combien de temps il me reste? Une demi-heure. Pour gérer les power-up, il va falloir que je sois capable de savoir si une vague que j'ai démarrée à un moment donné a été détruite dans son intégralité à un moment donné. Si elle a été détruite dans son intégralité, je vais faire apparaître un power-up à cet endroit-là. Alors pour les power-up, j'ai des images. Je crois. Power-ups. Voilà, j'ai ça. Et du coup, je sais absolument pas comment je vais gérer ça. Donc déjà, on va faire dans l'ordre, on va charger l'image dans Game. Power ups. Ok, maintenant il faudrait que je me demande qui c'est qui va les gérer, les power ups. Ceux qui sont le plus aptes à savoir si la vague courante est vide, c'est le Wave Manager. Sauf que le Wave Manager ne sait pas où se trouve le dernier alien détruit. Donc, du coup, déjà il faudrait que ce soit pas moi qui détruise. L'alien, il faudrait que ça soit ici là quand je fais un splice dans ma Wave Manager, ça devrait pas être à moi de le faire. Ça devrait être au Wave Manager, ce qui fait qu'il pourrait noter la position du dernier truc. C'est l'idée que j'ai, on va essayer ça. Donc mon Wave Manager, il pourrait avoir un 10.last alien. Destroyed. Voilà. Comme ça. Et du coup, on pourrait avoir un destroy alien. Le numéro, l'index de l'alien. Et du coup, ça, on le vire, on ferait 10.wavemanager.destroyAlien on donne le numéro de l'alien dans la liste. Du coup, lui, il ferait 10.currentWave
.alienlist.splice. Et ensuite, avant de le détruire, il faut que je le récupère. Pour avoir sa position. Et ensuite, je vais faire du coup 10.lastaliendestroy.x égale alien.x. Alien.y. Ok, donc du coup, je suis capable de savoir si où est le dernier supprimé. Est-ce que c'est mon Wave Manager qui va créer les power-ups? J'aimerais pas, j'aimerais bien tout centraliser. Je vais faire un peu du monolithique quand on code comme ça en mode commando. C'est plus simple. Et puis, comme j'y bosse tous les jours dessus, j'ai la tête dans mon code, donc je m'y retrouve assez facilement. Donc, du coup, il faudrait que ça soit moi qui crée le power-up. Si je suis informé qu'il vient d'y avoir. Là, que la vague est vide. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer un résultat ici. Je vais faire if 10.currentWave.alienList.length égale 0. Donc ça veut dire que je viens de détruire le dernier de la liste. Je vais faire un return true. Et sinon, return false. Et du coup là je vais pouvoir faire if machin bidule. Voilà, donc du coup là je vais pouvoir faire console.log power up. T'as raison. On va être bon comme ça. Alors attendez, pendant que j'y pense, juste un truc perso. Que j'ai oublié de payer mon téléphone, du coup ils m'ont coupé. Enfin mon téléphone mobile, s'il faut aller le payer à la main, c'est chiant. Voilà, désolé. Du coup, maintenant, je suis capable de savoir si... S'il y a un power-up, par contre du coup ça charge plus. Send jeu. Cannot access before initialization. J'ai dû me planter quelque part. Ça c'est vraiment les genres de messages d'erreur à la con. Aucune idée de pourquoi. Pourquoi scène jeu sûrement n'est pas défini? Sûrement parce qu'il y a une erreur ailleurs et je ne sais pas où.
Ah, c'est j'ai un truc ici. Ah oui, j'ai fait un point X, un point Y, c'est pas ça que je voulais faire du tout. C'était ça. C'est mieux. Et du coup, là, dans la console, je devrais avoir un truc power up si je les détruis tous. Power up. Ok, donc on est bon. On arrive à savoir qu'il faut créer un power up. Tac, on va fermer ça. Et si on sait qu'on peut créer un power up, ben je vais le créer là. Donc du coup. Une pour le power up. Je vais me créer une fonction. Spawn. Power up. On verra si on a plusieurs niveaux plus tard. Par défaut, on créera un power up tout simple. Et je regarde vos chats. Hein. Et donc du coup, là. Ça va faire un power up, donc ça va faire. Qu'est-ce que c'est un power-up en fait? Ça va être un sprite. Tout simplement. Est-ce qu'on a un type de sprite? J'ai pas de type, hein. J'ai pas pensé à ça. Donc on va en gérer un. Voilà. Donc il lui faut une image, une position, bah ça va être 10.wavemanager.last machin. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est le wave manager. Il est pas ouvert en fait. Ça, virgule 10.wavemanager.lastDestroy y. Donc je vais le créer là. Et ensuite, je vais faire un 10.lst powerUp.push. Cette fois, j'y pense. Mon powerUp. Par contre, il me faut une image. Donc, c'est. Est-ce que j'ai un image loader dans ma scène? Image loader, ouais. Ok, c'est bon. Point get image. Et donc c'est image slash. Power ups.png. Et ensuite, il faut que je fasse img 2 points. img.set tile sheet. Donc du coup, la taille de mon truc. 40 par 40. Voilà. Et ensuite, img. Non, c'est pas ça. C'est mon sprite qui doit. Qui a ses propriétés. Et ensuite, on va faire. PU.currentFrame égale PLevel. Voilà, donc du coup si j'en crée un de 0 à 0, il y aura l'image 0, c'est-à-dire qu'il sera bleu. Ensuite il sera rouge, ensuite il sera jaune si je fais évoluer ça.
Oui, au liquide. Quand le tableau d'ennemis est vidé, on crée un power-up. Mais il faut le créer qu'une seule fois. On peut pas faire, on peut pas mettre dans l'update. S'il n'y a pas d'ennemis, je crée un power-up parce qu'on aurait en permanence des power-ups qui se créeraient à l'écran. Donc, dans le process de l'algorithme, ça ne soit exécuté que quand le dernier alien est détruit. Salut DS37. Sur YouTube. Du coup, ah, c'est les votes que je devrais vous afficher là. Ici, voilà. Du coup, on sait spawner un power-up, on sait pas l'afficher. Donc on va l'afficher. On va faire plutôt un parcours à l'envers, parce que peut-être sûrement on aura besoin à un moment donné de le supprimer. Voilà, donc là on va faire juste un power-up.update. Et ensuite, j'ai cassé un truc. Ah oui, j'ai supprimé ma boucle là. La moelle nœud. Voilà qui est mieux. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dessiner ces power-up. Donc à peu près par là. On va faire un for each. Donc on sait les créer. Ensuite, il faudra qu'ils se déplacent à la même vitesse que mon scrolling 0. Scrolling, j'ai dit que c'était le combien le dernier scroll là? Le 5. Donc là, il faut que je fasse powerup.x moins égal point speed. On va voir si ce que ça donne. Power up, ça m'a mis. En tout cas, c'est déjà bien. Est-ce que. Tac, tac. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah ben, je le spawn pas, tout simplement. Donc, ça serait bien que je le spawn. Je fiche juste une trace pour l'instant, qui ne sert à rien. Spawn power up. Et ça me rajoute le 10 automatiquement, pas. Spawn power up. Donc à. Là, je me suis complètement planté. Personne m'a rien dit. Alors, spawn power up. On va lui passer ça, on va lui passer ça et type 0 pour l'instant. Pourquoi ça met des trucs rouges là? Ah, rien. On en a combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! Bon, il a un problème de taille. Mais on a un power-up. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il est si gros? J'ai rêvé là.
Pourquoi il est si gros? C'est un truc de fou. Les pixels sont gigantesques. Ça, je comprends pas. Ouais, on va regarder ça. Bon, on n'est pas loin. En tout cas. Alors, on va regarder cette image, qui est tout à fait normale. Ou alors elle n'est pas normale du tout, en fait. On va aller voir si elle n'est pas déjà énorme de base. 40 par 40, en même temps, c'est énorme. Je voulais juste vérifier que j'ai bien que c'est bien un pixel. Ah non, elle est doublée déjà. Il est lui-même doublé. J'ai 2 pixels par. Je sais pas d'où je sors cette image. Donc déjà, on va la diviser par 2. Voilà. Et en plus, c'est 20 par 20, c'est un peu gros, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que je suis bon au niveau de la taille? C'est bien du coup 60 de haut. Ah non, 54 de haut. Donc ils font pas 20 de haut les trucs. Ils font 18. C'est pour ça que j'avais un petit trait qui apparaissait. Ouais, ça serait cool un reflet dans l'eau, j'avais pensé aussi. Bon, on le votera, j'avais pensé surtout des petites particules en bas qui montent. Voilà, bon, c'est beaucoup trop gros. Image, taille de l'image. C'est la hauteur. Hein, alors, ils font du coup. S'ils pouvaient faire 10 de taille, ça serait bien. Ils vont être affreux, mais c'est pas grave. Donc 10 par. Par 9. Est-ce que 9 fois 3, 27. On est bon. 10 par 9. Voilà. Donc on va faire le ramassage et ensuite on fera un vote pour savoir ce qu'on fait comme power-up. Et ce sera l'objet de la prochaine séance. Je m'étais dit que je me donnais 1 heure à chaque fois. Après je ferai peut-être des lives plus longs. Hein. Pour l'instant c'est un petit essai. J'essaye de voir s'il y a du monde. J'essaye de voir si ça vous intéresse. Moins de monde qu'hier en tout cas. On est quoi mardi? Du coup, on va faire les collisions. Voilà, et là on va faire if distance. Donc, 10.player.x. Il faudrait que j'ai le centre. Il faudrait que j'ai le centre en fait. Je vais faire un truc comme ça. Il faudrait que j'améliore mon sprite pour qu'il soit capable de renvoyer son centre en fait.
center égale x. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais le calculer. Donc, je vais faire if 10. Faut que je sache si c'est une tile sheet. Voilà, s'il n'y a pas de tile sheet. Voilà. Else. Ça sera mieux quand même qu'un sprite puisse renvoyer son centre pour les calculs de distance, tout ça. Du coup, s'il n'y a pas de tile sheet, c'est center.x égale 10.x plus. Donc il me faut la taille de l'image, tout simplement. L'image complète. 10.img. With divisé par 2. Center.y égale 10.y plus 10.img.8. Divisé par 2. Voilà, et dans l'autre cas, c'est la taille de la sprite sheet. Donc c'est tileSize.x tileSize.y. Donc là je suis capable de récupérer le centre avec x. Je vais faire un p égale 10.player. Je vais essayer de rendre mon truc plus lisible. Bah, je vais faire directement getCenter. Voilà. Et du coup, je vais faire si p.x, virgule p.y, virgule. Donc là, maintenant, ça va être mon power-up. Power-up. 10. Ah non, je l'ai déjà, c'est power-up.getCenter. Tout le monde hérite des mêmes choses, donc c'est pratique. PU.x, PU.y. Si c'est inférieur à 5, mettons, puisque je ne me rappelle plus de la taille de mon truc, c'est 10, c'est bon. Si c'est inférieur à 5, je le supprime, le power-up, et puis je suis censé faire augmenter un niveau quelque part. Mais pour l'instant, j'ai juste le supprimer. Pour vérifier que on a bien une collision correcte qui fonctionne. J'ai perdu mon contexte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça crache. Console. P n'est pas initialisé, je comprends pas pourquoi t'es rentré dans la boucle, mec. Undefined. Là, j'ai fait une connerie, je sais pas laquelle c'est. Je dois la. P, qu'est-ce que. Je suis bon là? Qu'est-ce qu'elle a ma boucle? Chie dans la colle a priori, mais je sais pas où. Pourquoi il connaît pas P? Je l'ai déjà utilisé avant? Non. J'ai bien une liste ici, j'ai bien une longueur. Longueur moins 1, bah ça va faire 0.
quelqu'un voit le tour de magie là. Je casse P quelque part, mais je le casse pas pourtant. En plus, ça marchait avant, il se déplaçait et tout. J'ai cassé un truc plus avant en fait. Mais non. Rien cassé avant. Ah oui, je le casse là, ouais, t'as raison. N'importe quoi. Ok, donc on va renommer ça. IDXP Power Up. On va faire des noms plus clairs. Hein. C'est ça de faire des lettres. Je vais faire I. IPU. Voilà. Et après le reste devrait être bon. Après ça est logique hein, ce que j'ai fait, enfin j'ai fait vraiment une erreur. 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est mon point d'arrêt. Et le getCenter marche pas. On avançait. C'est le get center qui marche pas. Pourquoi? Player. Ah mais le player il a plusieurs sprites en fait. Je suis con. Il n'était pas sprite. Player point. On va faire SPR ship. On va essayer ça. Voilà. Et j'arrive à le ramasser. Voilà, on est bon. On va se faire un petit son. Combien de temps il me reste là? Pourquoi ça se ferme pas ça? Allez, toi tu dégages. Je dépasse un peu, mais c'est pas grave. On va se faire un petit son de power up. Bah tiens, on va prendre celui-là direct. Power up.wave. On va se créer son de power up. C'est ça, power up.wave, voilà. Et ensuite point play. Up the weapon. Là, c'est à faire. Pas d'espace. Petite musique de fond, ouais, ça serait bien. Le use strict, je peux le mettre directement dans mon main en fait, ou enfin dans mon premier truc, et il est valable ou il faut le faire par module? Et comment ça s'écrit ça? Use strict. C'est sûr que je peux le mettre Ah ouais, c'est carrément un truc entre guillemets. Donc ça a l'air d'être local. Si je le fais là, est-ce que c'est valable pour tout le truc?
Ça râle pas. Attention, le son. Voilà. Donc là, on va pouvoir gérer un autre type d'arme. Si vous voulez bien. Donc on fera un vote demain à 13h sur le nouveau type d'arme que je vais coder. Et du coup, on sera dans Power Up. Et ensuite, ouais, bah, du coup, bah, y a un nouveau truc qui va arriver. C'est le type d'arme. Si je fais Power Up, faut bien que j'ai un nouveau type d'arme ou un nouveau truc ou un bouclier ou un truc comme ça. Donc on décidera demain de ce qu'on fait. Donc je vais préparer un vote et demain on commence par le vote pour savoir ce qu'on fait maintenant qu'on a fait les power-ups. Ça vous va? Donc du coup, bah, écoutez, on se retrouve demain. Je vous rappelle, je vous remets le lien que vous pouvez acheter la formation qui vous apprend à coder des jeux tels que je suis en train directement avec une promotion de 90 euros jusqu'à vendredi. Et puis voilà, vous avez toute la description, vous savez ce que c'est, vous avez vu ce qu'on pouvait faire avec ça. Sinon, vous adhérez tout simplement à Gamecoder, hein, gamecoder.fr, et vous pouvez du coup accéder à cette même formation en étant membre de l'école en ligne. Vous allez sur gamecoder.fr et vous adhérez à partir de 19 euros par mois et vous aurez accès à cette formation qui sera incluse. Et on se retrouve lundi prochain en live que pour les membres du bootcamp HTML5 pour que je vous aide à démarrer. C'est-à-dire qu'on fera une masterclass pour vous aider. Vous aurez le replay si vous n'êtes pas accessible. Ok? Donc je vous dis à demain 13h. Plein de pouces comme ça sur la vidéo sur YouTube. Vous êtes un certain nombre. Vous dire, vous êtes une quarantaine, vous pouvez mettre 40 likes. Et pareil sur Twitch. Voilà, ça plaît beaucoup à Google et puis ça me fait plaisir. Merci de m'avoir écouté, croyez en vous, bon code et à demain. Ciao, ciao. On se retrouve sur Gamecoder si vous êtes membre de mon école. Salut.